Bonjour à tous, aujourd'hui black burger ou air fryer, rapide à réaliser au Thermomix, on va réaliser la pâte. Vous verrez, c'est un hamburger comme au resto, voire mieux. Il est moelleux à souhait et on va le réaliser avec du charbon actif, très bien pour la santé, très bon pour la santé et pour la digestion. Alors on aura besoin de 100 g de d'eau, 15 g de levure fraîche, 100 g de lait, 30 g de sucre, 500 g de farine, 3 œufs, moi j'en ai mis que 2 parce que mes œufs étaient assez gros, 80 g de beurre mou et 2 pincées de sel. Et pour la fin, 2 cuillères à soupe de flocons d'avoine. On met tout sauf les flocons d'avoine et sauf le beurre au début. Donc tous les ingrédients. Là j'ai mis ma farine, je vais mettre mes œufs. Et là, j'ai mis mes 2 cuillères à café de charbon végétal. C'est un bon détoxifiant, c'est vraiment idéal pour la santé. Allez, ça part en mode pétrin pendant 5 minutes. Après ces 5 minutes, je rajoute mon beurre, 80 g de beurre. Et je rajoute une cuillère à café de sel. 10 g exactement. Et je repétris encore 5 minutes. Ma pâte est un petit peu collante, donc là je l'ai boulée, j'ai mis un petit peu de farine. Et là je la mets au air fryer, donc dans mon bac au air fryer, à 35 degrés Celsius en mode proof, pendant 1 heure. Et regardez, après ces 1 heure, regardez la pâte, comment elle a doublé voire triplé de volume. C'est parfait. Donc là je vais la dégazer et former des boules, donc des hamburgers de 80 grammes chacun. Donc là, je retire le papier, je dégaze et je vais former mes boules. Alors, elle est un petit peu collante, mettez un petit peu de farine, c'est normal hein, qu'elle soit collante. Là, je rabats. Je rabats, je pince, je rabats, je pince. Et je vais faire mes petits, je vais couper mon boudin. Voilà, là je boule mes morceaux, je pince. Et je mets, voilà, je le refais rapidement. Voilà, j'ai un petit moule à pain, donc j'ai mis mes boules dedans. J'ai mis aussi dans mon air fryer, ça rentrait pile poil. Et là, ça part à 35 degrés Celsius pendant 30 minutes en mode prouve. Regardez comment ils ont gonflé. C'est parfait. Et là, je badigeonne, alors soit de l'eau, soit d'un jaune d'œuf, comme vous voulez. Et je vais mettre mes petits flocons d'avoine. Et là, ça part en mode bake à 160 degrés Celsius pendant 15 minutes. Au bout de 10 minutes de cuisson, je les retourne. Donc là, c'est ma première fournée. Et voilà la deuxième, je retourne. Ils ont bien gonflé. Je vais façonner mes steaks de burger. Là, j'ai de la viande hachée. J'ai rajouté du sel, du poivre, de la coriandre. Et là, je vais former mes hamburgers, voilà. Donc c'est un moule que j'ai acheté sur Amazon, si vous voulez, je vous mets le lien. Je vous mettrai aussi le lien de la poudre de charbon actif. Et là, je vais cuire mes steaks sur une plancha rapide. J'aurais pu aussi les faire au air fryer, mais j'ai décidé de le faire sur ma petite plancha rapide comme ça. Voilà, j'ai cuit mes steaks, puis après j'ai rajouté donc mon cheddar par-dessus. Et là, hop, je fais
Je toaste rapidement mes petits pains. Voilà ce que ça donne, un pur régal, un délice. Tout le monde s'est bien régalé. Je vous dis à très vite.